Le temps pluvieux en Espagne qui nous a décidé d'anticiper notre arrivée sur le sol marocain. C'était le 22 janvier 2020, première fois en dehors du continent européen, première fois en Afrique, et autant dire que le dépaysement a été total dès les premières secondes. Les paysages sauvages, les gens, la culture, la façon de vivre, le Maroc tout entier est différent de ce que l'on connaît. La pluie nous a poursuivis jusqu'au Maroc. Nous avons donc décidé de rouler en direction du sud, et plus précisément Imsouan, où nous avons rejoint Hélène, Johan et Charlie de notre petit camion. Nos journées à Imsouan sont rythmées par les apéros, les goûters chez Momo, les après-midi à discuter au soleil et surtout par les sessions de surf. C'est la belle vie ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi ? La sieste. Qu'est-ce qu'on fait cet après ? On va à la plage ! Faire quoi ? Ben bronzer, se baigner, ramasser des coquillages, regarder les vagues. Rien à déclarer. On a passé 3 semaines. Gâteau au chocolat. Hélène et Johan nous proposent de descendre avec eux vers le sud, destination finale, Sidi Ifni, en faisant escale sur la route à différents endroits. Yaman, staff program and I sound system acclaim of Flublan. Our passion and ragam gribi and I just yamel lemna dan yuma shiri shuk. Click records, live and direct men kazar by dan shiri. Boost ton kofa de blan, boost ton bare man. Aïe! Let me show you what we got in my country. Feel the flow, the soul of my family. Everybody show some love to my homie. Come on, staff program. Let me show you what we got in my country. Feel the soul, the soul of my family.
C'est la vraie van life, hein. Une de ces escales est à Agloo. Et avant d'y arriver, nous avons, sur la route, cassé de nouveau notre barre stabilisatrice. On profite d'être à Agloo, dans un camping, pour démonter cette barre et faire quelques petits travaux de bricolage, manger un bon tagine entre copains et profiter des couchers de soleil aux couleurs automnales. On profite de la vie, tout simplement. Reprenons la route et arrivons à Sidi Ifni. Encore une fois, le charme du Maroc nous envahit lors de notre passage au souk. Sidi Ifni est une ancienne enclave espagnole. Ce mélange des deux cultures nous a rappelé notre séjour en Andalousie. Suis toutes nos aventures sur Instagram et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Le trottoir il est immense.